Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Heroes Online, je suis niveau 100. Et donc on peut avoir double alter, mais avant ça, j'ai changé mon alter parce que vraiment explosion, je n'y arrivais pas. C'est vraiment un truc que je n'aimais pas, donc maintenant j'ai feu. Donc on va prendre quelque chose d'approprié niveau vêtements. Alors je ne sais pas ce qu'on peut trouver qui ressemblerait à peu près à du feu. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de sympa? Et bam, aucun rapport. Ouais, après pourquoi pas, hein. Pourquoi pas pour un truc qui a pas forcément de rapport? Ouais, y a pas trop de monde. J'aime bien celui-là aussi. Je trouve que ça passe pour quelqu'un qui utilise le feu, c'est pas mal. C'est quoi ça? Ah, c'est... Ok, c'est Nomu, pourquoi pas. Ok, on va se mettre comme ça, j'aime bien. J'aime bien la tenue. Ok. Maintenant, mon premier alter du coup c'est Flamme. Ouh, y a le One for All Prime maintenant, alors je sais pas ce que c'est. Peut-être que le One for All c'est celui de Deku et le One for All Prime celui d'All Might, je ne sais pas. Le All for One et Flame Overall, ok. Après on a, donc moi j'avais, là j'ai Flamme. Et si je chopais Glace, ça serait assez stylé, donc on va essayer. Ok, est-ce qu'on commence par le Epic? On commence par des Common. On va commencer par un Epic, allez let's go. Spin, légendaire s'il vous plaît. Ice, ok je ne touche à rien. C'est très bien comme ça. Ok, on va la faire comme ça du coup. Ok, j'ai un peu le seum parce que je voulais un truc genre One for All et tout, mais en vrai j'ai Feu et Glace. Donc c'est pas mal, allons dans la Beast Forêt. Bon, le truc c'est que par contre il y a une quête qui m'ont dit que je devais revenir 13 heures plus tard et je ne suis clairement pas 13 heures plus tard. C'est celle-là, je sais pas pourquoi. J'arrive, ils m'ont fait, voilà, il me faut encore 3h40. Ils m'ont dit, ouais, reviens dans 13h. Je dis, mais j'ai à peine d'arriver, d'où je dois déjà attendre. Lui c'est le craft et c'est tout. Il va falloir XP, mais c'est long d'XP dans cette dimension. Et j'arrive toujours pas à faire les boss, hein. C'est vraiment un truc que je trouve horrible. Ok, j'ai pas encore mon éveil sur le feu non plus, donc sur glace non plus. Hein. Donc glace, pas mal les attaques de glace en vrai. Mais j'ai pas envie de claquer des SP là-dedans. Ah ouais, du coup ça, je vais pouvoir avoir le bras de feu et le bras de glace en même temps. Pour ça, il faut que je débloque déjà les deux éveils, et ensuite je pourrais les fusionner au niveau 150. Ça sera stylé. Ça sera plutôt stylé. Donc on va essayer d'XP pour débloquer au moins l'éveil de feu dans cet épisode, si c'est possible. Allez hop. Sauf que j'ai mon sabre de feu, donc c'est parfait. On prendra la glace juste après. Ok, donc le feu, je vous montre. J'ai un coup de poing de feu, qui est pas mal. J'ai un lance-flamme. Bon, gros problème du lance-flamme, c'est que ça touche qu'à partir d'une certaine distance. Genre, si les ennemis sont corps à corps contre moi, ça touchera pas. Donc c'est nul, c'est nul à ce niveau-là. La hitbox est complètement buggée. Et ensuite, j'ai les piliers de feu, qui eux sont complètement craqués. Quoi qu'on en dise, peu importe comment tu tournes ça, c'est OP. Ok, bon, ça c'est raté. Vraiment, le phénix a un problème. Ça touche jamais. Hop. Je suis pas extrêmement fan de cette attaque, vu que dès que les ennemis sont trop proches, ça ne touche pas. 20 mud beast, j'ai gagné un truc. Ok. Alors, où est-ce que c'est? Ah, faut casser des lampes. Ou des arbres. Et ça me donne des SP. C'est très drôle. Surtout que je peux le faire. Hop, voilà. Je peux le faire, regardez. Bam. Un arbre en moins. Ok, bah je vais faire ça. Hein. Non, je finis la quête. Je finis la quête. Faut pas que je continue à les frapper. Elle est simple cette quête, c'est cool. Vu qu'il y a que 5 ennemis qui sont bien paquets. Et qu'il faut en tuer que 5 en plus, bah c'est parfait. Ok, hop, en avant. Allez, viens là, toi. Hop, tac. Au prochain. En fait, je préfère vachement avoir flamme. Parce que le gros problème d'explosion, c'est que à chaque fois que je mettais une attaque, ça poussait mes ennemis. Et c'était insupportable du coup pour XP. Là au moins avec feu, j'ai pas ce problème, ça ne pousse rien. Hop, c'est beaucoup mieux pour farm, je trouve. Puis ça fait que des attaques de zone, alors que pareil, l'explosion c'était beaucoup moins bien niveau zone. Y'a plein de gens qui m'ont dit que l'explosion était bon, mais honnêtement, pas super. En vrai, explosion, ouais, je trouve ça pas ouf. Hein. Après, je vais à l'éveil du feu aussi. Ça se trouve, l'éveil est ouf. Je trouve l'éveil plus violent. Ok, 4 SP et 1 spin. Donc je peux prendre si je veux encore une attaque de glace, mais on va peut-être attendre. Est-ce qu'il va y avoir un event? Parce que ça arrive des fois que les events pop pas pendant des heures et des heures, parce que des fois c'est les méchants qui chopent les events en boucle. Parce que quand eux ils ont un event, du coup nous on en a pas. Aussi un truc que j'ai pas revu, qu'il y avait dans la bêta, c'est les missions où il faut prendre un point et le tenir. Je n'ai pas retrouvé ça. Je ne sais pas si ça existe encore ou si ça a été totalement remplacé par les otages, mais vraiment les otages, je trouve ça pas fun du tout. Faut juste courir, prendre l'otage et s'enfuir.
c'est pas ouf. Alors que les points c'était pas très équilibré, parce que dès qu'il y avait une équipe qui était plus nombreuse que l'autre, elle gagnait. Mais ça donnait des bonnes récompenses, et en plus de ça, il y avait quand même du PVP, parce que du coup, tu affrontais quand même les gens un minimum. Enfin, t'étais obligé de les affronter, alors que la mission d'escorte, maintenant, tu te contentes de fuir. J'aimais bien. Mais c'est vrai que c'était pas très équilibré. Mais après, l'otage est encore pire maintenant, donc... parce que c'est vrai que l'otage, même si t'es moins nombreux, t'as peu de chances de gagner. Et donc ça, c'est fait... Mais ça XP tellement peu. J'aurais dû attendre de filmer quand ma mission aurait été prête. La mission là qui me dit d'attendre encore 3h40. Alors, top, c'est qui là-bas par contre? Ça donne des quêtes là-bas. Je veux juste voir. Ah mais d'accord. Laissez-moi revenir. Voilà. 115. Alors je suis absolument pas. Je suppose qu'il nous demande de tuer ces gens-là. Ouais, ça doit être par là. Ok. Et jusqu'au niveau 145, d'accord. Et je sais que Denki là-bas donne une quête de boss, parce que ça va jusqu'au niveau 300, je crois, sa quête. Faut que je regarde. Alors. Ouais, 125 à 300. C'est ça. Donc jusqu'au niveau max, en fait. Enfin, je crois que c'est le niveau max, 300. Ok, allons affronter les modes Beast. Voilà, je vais dire les modes Titan. Mais Titan. Les modes Titan, oui. Mais non, ça, ce n'est pas leur nom. Hop. Ils ont des petites oreilles un petit peu à la Piccolo. C'est très bizarre. Hop, l'épée de feu. Est-ce que ça va toucher quoi que ce soit? Ça a touché pas mal de fois, étonnamment. C'est rare. L'épée de feu vraiment vise tellement mal. C'est, je pense, le principal problème que j'ai par rapport au jeu. C'est même, je pense, l'un des seuls. À part le fait qu'on court très très peu vite, mon problème principal, c'est que les attaques connectent extrêmement mal. Genre là vous voyez l'épée phénix, voilà, vous voyez, une fois sur deux ça ne touche pas. Mon lance-flamme, dès que les ennemis sont trop proches, ça ne touche plus non plus. Genre c'est le principal problème en fait, les attaques sont pas ouf quoi. Ça touche très très peu et la map est géante, donc tu t'attendrais à avoir des attaques géantes, mais en réalité non. Alors que certains altères comme genre le One For All ont des attaques qui touchent très très bien. Mais la plupart des autres altères n'ont pas du tout ça en fait, ont juste des techniques qui touchent pas ouf. Après mon pilier touche très bien par contre. Ça c'est plutôt clair. Le pilier est efficace. Hop, allez bien. Allez, venez tous. Est-ce qu'on peut avoir un event pour agrémenter notre XP? Bon, une fois que j'ai fini la quête de préférence, parce que je n'aimerais pas que ça me téléporte en plein milieu de quête. Ça arrête pas de le faire et c'est insupportable. Hop, c'est vrai qu'il y a un petit compteur qui te dit prochain event dans tant de temps. Comme ça tu peux prévoir ce que tu fais. C'est des petites choses quality of life. Des petites améliorations à ce niveau-là. Qui sont pas pour le gameplay, mais qui sont pratiques. Hop là, voilà. Level up. Donc je suis à 16. Je crois que c'est 25 qu'il me faut pour pouvoir avoir mon éveil. Je suis pas. Surtout si on n'a pas d'event. Ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? J'espère que vous hésitez. 8 minutes, toujours pas d'event. Alors qu'évidemment... ah non, mais après, c'est vrai que j'ai eu des haltères au tout début, mais ça va pas durer 4 ans. Ah voilà, il suffisait de se plaindre. Ah mais c'est All for One. Je suis tout seul chez l'héros. Parce que je vais pas y arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 127, non donc je suis pas tout seul. Mais il y a un gars qui a pas voulu faire l'event. Ah non, ou alors il est AFK. Il est AFK totalement. Ah non mais c'est chiant, mais pourquoi? Ah non c'est un PNJ, ok, tout va bien. J'ai encore cru que... Non moi je sais pas. Dans ce cas, c'est, je crois qu'il y a un bouton qui permet de dire en gros ouais, je veux pas faire l'event. Et je pense qu'il l'a coché. Et du coup, c'est pas faisable. Voilà, non, ça, là c'est des méchants. Ok. Donc je vais aller vers les Mud Beast qui sont là-bas. Je pars du mauvais côté. C'est dommage que le One for All par exemple là est. Enfin, que All for One par exemple là ait pris les levels du gars. C'est à dire que le gars était à peu près genre level, je sais pas, 140. Donc il a augmenté le level du One for All juste en étant dans la game. Mais vu qu'il a dit non aux events, et bah ils le mettent pas. Et donc je peux pas le faire. C'est dommage, je trouve que le système event est vachement mal foutu. Genre de ouf, parce que concrètement, je pense que j'accepterai que les abonnés me rejoignent parce que là c'est trop compliqué. Là dès que t'as un AFK dans la game, c'est infaisable. Quand on a deux, c'est sûr que tu pourras jamais le faire. Et dès que quelqu'un veut juste pas faire les events, qu'ils activent l'option de faire les events, mais qu'il est plus haut niveau que toi, bah le boss va être plus haut niveau que toi, et le boss va être fait pour deux personnes, alors que là, c'est ce qui s'est arrivé.
C'est le boss au niveau 127 parce que l'autre gars dans la game était plus fort que moi. Et en plus de ça, et en plus de ça, vu qu'il a refusé d'être là, ça n'aurait pas dû le prendre logiquement. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ouais, le boss a été fait pour deux personnes, alors que vu que le gars a refusé, en réalité, il y a que moi. Donc ça devrait pas prendre son niveau et prendre de la force en plus juste parce que il est dans la game. Ça devrait en prendre quand il rejoint l'event. Parce que là, One for All, il est devenu beaucoup plus OP alors que le gars a dit non, je veux pas faire d'event, alors que le jeu pourrait juste calculer ça avant. Avant de me mettre un boss OP que je ne peux pas faire. Donc voilà, si vous êtes dans le jeu, essayez d'aider pour les events. Ne soyez pas AFK. Et ne refusez pas les events, encore ça, vous faites ce que vous voulez, mais... Être AFK, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que vous êtes sûr que vous avez plombé quelqu'un, en fait. Et quelle idée d'être AFK. Genre, vraiment, c'est le seul jeu Roblox où je vois constamment des AFK. Ou à chaque fois que je joue, il y a tout le temps au moins un ou deux AFK. Il y a plein d'autres jeux où, genre, les gens jouent, tout simplement, mais... Je sais pas, pour celui-là, il y a plein d'AFK. Je sais pas pourquoi. Le seul jeu où t'as besoin d'une team, il y a des gens qui sont AFK. Je trouve ça extrêmement dommage. Bon, du coup, on va prendre glace, je pense. Hein, parce que là, on n'aura jamais l'éveil avant la fin de la vidéo. Ouais, on va prendre Ice Spike. Ça allait, pourquoi pas. On va l'équiper sur G. Alors, qu'est-ce que ça donne, Ice Spikes? Ice Spikes. Compliqué à dire. Allez, venez tous. Allez, venez tous. Hop. Ok, on se pack. Le coup de point de feu, le lance-flamme qui touche... Pas tout le monde par contre. Si, je crois que ça touche tout le monde. Pilier de flamme. Et maintenant la glace. Bam. Oh, pas mal. Je suis réellement Shoto. Genre Shoto, c'est mon maître. Vous voyez, il vient avec moi, il vient m'aider. Coup de point de feu, tac. Petit phénix qui tombe du ciel. Là, je peux invoquer un nouveau sidekick. En espérant que j'ai pas encore Shoto pour la 150e fois. Sans déconner, je l'ai eu une tonne de fois. Alors, inventory, sidekick, je suis All Might maintenant. Spin. Dabi, super. Au revoir Dabi, je t'avais déjà. Ok, c'est pas grave. Shoto est mon préféré pour l'instant. All Might prend un moment avant de mettre son coup de poing. Et vu qu'il le met devant lui et que ça n'a pas une très très grande portée, c'est très dur à placer. Faut réussir à prévoir où sera l'ennemi et où pop All Might quand tu l'invoques. Ça fait beaucoup de paramètres. Regardez, quand tu invoques ton sidekick. Il faut venir par contre Shoto. Alors voilà, vous voyez, il se met à côté de vous. Donc il faut réussir à prévoir qu'All Might se mette à côté. Il frappera devant, donc on va dire la zone d'effet. Par exemple, si là je l'invoquais, elle serait à peu près par là. À peu près par ici. C'est pas une très grande zone. Donc il faut que j'arrive à prévoir. Même pas devant moi en fait, genre juste par là. Il faut que j'arrive à prévoir que les meutes beast soient ici. Le temps qu'All Might fasse son coup. Et il prend une ou deux secondes avant de mettre son coup. Donc il faut réussir à ce que les meutes beast soit là où je veux pendant une ou deux secondes, et ce qui est très compliqué vu la vitesse à laquelle ils vont. C'est pour ça que je n'aime pas All Might. Même avec Shoto, c'est plus compliqué. Vous voyez, ça passe généralement assez facilement. Et même avec lui, c'est ratable. Ou alors là, ça va pas passer. Non, là, je vais mourir. Il serait temps de fuir. Voilà, merci. Ok, est-ce que je touche? Je touche, parfait. La glace, bam. Petit coup de poing de feu, petit pilier de feu. Vas-y, viens. Tu ne peux rien faire. Voilà, parfait. Le level up. Hop. On va casser ça. Est-ce que je peux avec ma glace? Non. Avec mes autres attaques de feu, peut-être? Avec mes phoenix? Non. Je peux qu'avec mes piliers. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je vais casser avec les piliers parce que je sais que ça fait des SP du coup de tuer les arbres. Donc, on va raser les forêts. On va construire des parkings. C'est super, j'adore. En avant. Pouf. Tac. D'ailleurs, je vais le dire maintenant parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas regarder jusqu'à la fin et qui vont me demander ça en commentaire ou sur mon Discord en question. C'est la dernière vidéo que je fais sur ce jeu. Je n'y reviendrai pas, je pense. À moins que j'ai envie de claquer tous mes spins pour avoir des haltères ouf. Je pense pas y revenir parce que voilà, c'est un jeu. Il est très très bien. Je dis pas le contraire, mais c'est pas mon jeu. C'est pas. Je sais pas, c'est pas mon truc. Le jeu a vraiment des super concepts. Genre le jeu est l'un des... je pense même que c'est le meilleur jeu My Hero Academia qu'il y a actuellement. Mais j'ai du mal avec les attaques qui connectent pas. J'ai du mal avec le fait que les events soient infaisables dès qu'il y a un AFK. J'ai du mal avec les animations qui sont pas particulièrement épiques. J'ai du mal avec le fait que pendant que je filme, je peux pas mettre les musiques. Sinon, c'est full copyright directement. Plein de petits trucs comme ça qui... C'est juste des petits détails la plupart du temps, mais...
mais c'est plein de petits détails qui s'accumulent et qui font que je ne l'apprécie pas particulièrement. Genre, si je devais accumuler tous les petits détails qui me dérangent, c'est genre la vitesse de course qui est aussi lente que ça, les attaques sont pas particulièrement épiques, qui connectent très mal en plus de ça, le fait que les events sont infaisables dès qu'il y a un AFK, qu'en plus il n'y a pas de timer pour les montrer, donc tu te fais TP généralement un peu au milieu de nulle part. Hop, en plus les events sont pas si drôles que ça, même les boss, c'est juste content de spam un boss pendant 4 ans. Le gameplay est pas particulièrement agréable non plus. Enfin, le gameplay est ok, tu vois, mais genre c'est pas non plus top tier quoi. Genre y a mieux. Et c'est ça qui me dérange un peu. Genre je trouve que niveau idée, genre niveau quête, etc., niveau vitesse d'XP, ce jeu est bien mieux que beaucoup de Roblox, oui c'est ça. Mais beaucoup de Roblox niveau gameplay est plus fun. Genre beaucoup de Roblox c'est beaucoup trop long XP, c'est uniquement du farm. Mais son gameplay pur, le fait de frapper les ennemis, etc., est beaucoup plus satisfaisant, je trouve. Donc à ce niveau-là, je préfère beaucoup de Roblox. Mais sur tout le reste, je préfère celui-là. Et c'est un petit peu, voilà, pour ça que je compte ne pas continuer. Parce que c'est que ça, c'est que moi qui vais farmer pendant 4 ans en galérant. Et sans jamais avoir les SP qu'il me faut. Parce que les boss seront infaisables. Et je trouve ça dommage que ma vidéo se résume à moi qui farme. Et si j'ai du bol, j'aurai un ou deux events par vidéo, sauf que généralement je vais pas y arriver parce qu'il y aura quelques AFK. Donc au final les events me téléporteront juste ailleurs. Il faudra que je me tape un demi-tour. Donc c'est dommage, c'est juste moi qui me fais téléporter ailleurs les events. Et je l'apprécie pas particulièrement, donc voilà, j'arrêterai après ça, c'est pas mon jeu. Le jeu est, encore une fois, c'est la première fois que ça me fait ça sur un jeu Roblox. Où je sais que le jeu est très bien, mais juste c'est pas mon jeu. C'est pas un truc qui me convient. Mais pour moi, je sais que le jeu est bon, mais moi je peux pas. J'ai du mal. C'est rare parce que d'habitude quand j'aime pas un jeu c'est vraiment que le jeu est pas ouf. Alors que là non c'est vraiment le jeu est bon. Mais c'est pas mon truc. Genre du tout. Par exemple Rogue Lineage, j'ai du mal avec le jeu, enfin j'ai du mal. Parce que je suis nul, le jeu est extrêmement bien. Et genre je m'amuse très bien dessus mais comme je suis très faible bah... Et bah je n'y joue pas souvent parce que je suis pas assez bon au jeu. Mais c'est pas pareil, mais qu'est-ce qu'il y a aussi. Bah Final Stand aussi c'est pas pareil, c'est... Final Stand, je peux y retourner parce que ça m'a juste saoulé. Genre, avec Zarakno, c'était cool de lui montrer un petit peu ce qui se faisait sur Roblox maintenant. Mais je compte pas y retourner parce qu'il y a beaucoup trop de farms. Je ne veux pas refaire ça deux fois. Je ne veux pas retenter. C'est mort. Pas encore. Pas une troisième fois parce qu'en vrai, j'ai fait un rebirth. Pas une troisième fois le farm de Final Stand, c'est horrible. Je ne veux pas. Mais le jeu est très cool. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, juste. Hop. Parce que là, je suis burnout. Ok. Donc, ça, c'est une victoire. Après, faudra en casser combien ? 50 arbres. Non, 10 arbres. Ok, donc ça c'est faisable. Ok, all for one. Est-ce que on peut y arriver? Est-ce qu'on a un AFK? Est-ce qu'on a d'autres gens qui y jouent? On a d'autres gens qui y jouent, mais ils viennent se faire éclater. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Il est que 110. Ça se tente. Ouais, c'est compliqué. Mais le gars revient pas en fait. Ouais, non. On va pas y arriver. Parce que le gars, quand il est mort, il est reparti. Et pourquoi il y a des gens qui font ça aussi, qui dès qu'ils meurent ils s'en vont? C'est... je sais pas, moi je pense qu'il faudrait vraiment faciliter les boss. Et c'est dommage parce qu'après les boss vraiment donneront plus réellement de challenge s'ils sont faisables à chaque fois. Mais au moins ça évitera qu'on soit frustré quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça dégage. Avec son one for all. Regardez, j'ai le fruit. J'ai l'alter le plus original. C'est faux Jean-Billy, tu as l'alter le moins original qui existe. Ok, tac. Juste rager gratuitement. Mais oui, c'est dommage que le boss soit... Enfin, bah, le boss c'est dur, c'est cool, mais c'est-à-dire vraiment dès que t'es un AFK, c'est infaisable. Ça me dérange. Je peux pas rentrer là? Non. C'est quoi ça? Naturia Monk. Et ils affrontent des ennemis stylés, les méchants. En vrai, pas mal du tout. Ils affrontent des moines avec des épées laser pendant que moi j'affronte des bandits classiques pendant 400 niveaux. Ok, bah oui, dommage. Moi, je pense qu'il serait bien de faciliter les boss. Pour qu'ils soient faisables à chaque fois quasiment. Parce que là, c'est vrai que dès que t'as un AFK, c'est pas faisable. Qu'est-ce que je fais par terre? Ok, je suis de retour. Je vous dis pas depuis combien de temps j'ai pas réussi à faire un boss. Depuis que je suis dans cette zone, j'ai pas réussi. Et je crois que j'ai déjà fait 3 events dans cette zone. Avant de voir la vidéo. Donc là, ça fait déjà 5 events d'affilée que je n'y arrive pas. Parce que soit on a des AFK, soit les boss sont trop durs pour moi. C'est dommage. Parce que du coup, ça m'a juste téléporté, ça m'a fait être décalé.
par rapport à là où je voulais être. Parce que là, regardez, là, il y a deux gens qui sont visiblement des héros. Qui ont visiblement juste pas eu envie de jouer. Et du coup, on a pas pu faire le boss, c'est dommage. C'est dommage, j'aimais bien le système de boss au début, mais... je sais pas, j'ai l'impression qu'il a été... Ah non, c'est un méchant, lui, ok. J'ai l'impression que ça a été rendu plus compliqué. Je sais pas si c'est juste moi, mais vraiment, ouais, j'ai l'impression que ça a été rendu plus dur. Mais dégage-toi, mais t'as cru que t'étais où? Et il fait quoi? Pourquoi il vole? Comment il fait? Il a invoqué Thanos, carrément. J'ai rien capté. Alors, laissez-moi faire ma quête, monsieur le méchant. S'il te plaît. André, laisse faire ma quête. Voilà, ça fuit. André qui veut vraiment pas crever. Laissez-moi prendre la quête, merci. Faut tuer des lampes aussi. Tuer des lampes, carrément. Si je cassais des lampes, ça me ferait aussi des SP. Faut que j'y pense. Hop, on va commencer par casser les arbres. Parce que ça me donnera bientôt beaucoup de SP. Et on pourra peut-être avoir mon éveil avant la fin, du coup. C'est faisable, s'il arrive à casser assez d'arbres. Ok, venez tous, venez tous, venez tous. On se pack. Les petits phénix qui tombent du ciel et qui ratent totalement. Le petit lance-flamme. Allez, ça meurt. Attendez 2 minutes. On casse un arbre. Voilà. De la glace. Ouh, je vais mourir. Petit coup de point de feu. Mon lance-flamme revient bientôt. Ok. Lance-flamme. Bam, 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 bam. Et ils sont morts. C'est parfait. Ah ouais, mais le gars va me déranger s'il fait la même chose que moi. Ok, pilier. Parfait. Plus beaucoup à faire. Hop, reprenons la quête quand même. Et quitte-toi. Qui es-tu? T'es encore un méchant. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les méchants, à venir nous faire chier? Je me permets, hein, parce que... Genre, qu'est-ce qu'ils foutent? Niveau 250, d'accord. Donc le gars, en fait, c'est même plus son niveau, en fait. Genre, cette zone est beaucoup plus bas niveau que lui. Il est juste là pour XP sur notre bouche. En fait, je sais même pas ce qu'il fait. S'il nous attaque pas, c'est bizarre. Il va sûrement l'attaquer à un moment. C'est très probable. Hop, petit lance-flamme. Faudrait que je mette mes SP dans les stats aussi. Parce que je me sens super faible. J'ai pas l'impression de faire plus de dégâts à chaque fois que je level up, en fait. Hop, voilà, ça a été géré. Un arbre en plus. Pouf! Voilà, tue 5 arbres, ça c'est une victoire. Voilà, 5 SP. Et là Ability. Non, c'est dans Awakening. Unlock, voilà. Équipe. C'est équipé? C'est équipé, ok. Z. Mode éveil, j'ai mon bras en feu, c'est super. Et c'est ça mon attaque suprême. Ok. Je m'attendais à plus stylé, mais ça ira. Eh bien, attendez, il y a un mode. Ah non, il est là-bas, l'autre mode qui me manquait. Ok, c'est pas trop mal. On va retenter. Ça fait des bons dégâts. Ah, mais toutes mes attaques font des bons dégâts maintenant. Ok, j'ai un peu hâte. Enfin, je l'aurai sûrement jamais parce que c'est. J'ai pas particulièrement envie de retourner sur le jeu, mais. En vrai, ça aurait été assez stylé d'avoir mon éveil ultime. Avec glace et feu en même temps, comme Shoto en fait. Bah, j'aurais eu la même chose que lui là. Ça aurait été plutôt stylé. Mais bon, j'ai que feu, donc on va faire avec, c'est pas grave. Ok, bah plutôt cool. Bah, du coup, sur ce, moi, je vais vous dire à plus. Voilà, c'était drôle comme jeu, mais voilà, comme j'ai dit, plein de concepts sympas, mais moi j'ai du mal avec le jeu. Malheureusement, alors que le jeu est très cool, je vous crame, rien à battre. Mais voilà, très très bon jeu, honnêtement, je comprends si vous l'aimez bien, mais voilà, je n'y retournerai sûrement jamais, c'est très probable. Donc dommage, allez maintenant, mais moi sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Allez zou, c'est flamme. Allez zou.